Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans l'Apéro pour ce nouvel épisode de South Park, l'anal du destin. Du coup, on était rentré ici, pourquoi? Premièrement, pour voir s'il continuerait à nous ouvrir la porte. Et apparemment... Il veut bien, déjà, prendre la photo. Il est tellement grand que j'ai pas pu. Ok, mais apparemment il ne m'ouvre plus. Ce qui fait que je ne peux pas aller rendre la quête que j'ai faite. Si ça c'est pas désagréable. Alors les flics sont de retour, on pourrait continuer à les abattre. Voilà. Ils sont pas dégoûtés, c'est un peu dommage. Ouais, on y va. Ils sont pas dégoûtés du tout, c'est dommage. Aucune limite à mon pouvoir! Ouais, je sais, oui. Pouf! Voilà. What kind of super villain shit is this? Eux sont pas un problème. C'est le moustache. Oh la vache. Je croyais que c'était le moustachu qui le faisait. Ah oui, that's getting windy. Je croyais qu'il avait dit faut ramener Wendy. Mais non Marcus, calme-toi. Wendy a pas besoin d'elle. Enfin, pareil qu'elle est super puissante en rabatteuse mais... Ok, tu viens juste d'envoyer le truc sur ton pote, mais c'est pas grave. Le mec il est déjà en train de prendre cher quoi. Ok. Je suis venu balèze à ça. Non. Access denied, enfin spell denied. Non! Bah non! Bah non! Je viens... Bon... On est d'accord, je venais de lui refuser son tour. Il va saigner... Il me reste combien de PV à moi? Ah! On va faire ça comme ça. Raté! Par contre, toi, tu décèdes. Ah, presque! Don't just take that lying down, bud boy. Who needs to get punched the most? Probably Kyle. Fuck you, dude! Bon, allez, on se casse. Hop, voilà. Et donc ici, je devrais pouvoir en achever au moins deux si je fais ça. Mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Regardez pourquoi. Hop, voilà, ça c'est bien. Mais surtout, là, j'ai la place pour frapper tout le monde. Alors attendez, il manque un, voilà, c'est bon. Pour frapper tout le monde. Hop. Alors faut savoir qu'on est le mardi 5, hein, que je tourne le matin exprès pour pouvoir monter dans l'après-midi et essayer d'uploader, uploader l'épisode de la malédiction de Driss dans la soirée. En plus, je prends un petit peu d'avance. Je sais pas encore trop quelle série je vais faire pour Noël. On va bien voir. Alors, j'avais pensé à comment Hell's Blade, vous savez, un espèce de jeu d'horreur, enfin psychologique horreur. Apparemment, ça va pas être le cas vu que c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Donc peut-être que je vais revenir sur Oxygen Not Included.
On va voir. Vu qu'il y a eu quelques grosses mises à jour quand même entre temps. Bon, sinon les mecs faudrait apprendre à viser quoi. Hop. Alors est-ce que je touche? Apparemment oui. Parfait. Piu-piu. Oui mais t'as encore rien fait. Super Craig, je vais le changer. Il est pas bon. Il est pas bon du tout dans le groupe. Ils sont en train de pleurer, regardez, ils sont à deux doigts de pleurer les flics. Donc ça fait 5 de plus. Ah, il m'en faudra encore plein pour... Vous savez quoi? Je vais les farmer et je reviens. Juste pour voir, parce que l'étoile rouge à côté du truc, ça m'intrigue. Ouh, je viens de me rendre compte que je peux prendre la rabatteuse. Du coup, pendant le dernier combat du farm, je vais vous la mettre en vidéo et vous pourrez voir le dernier combat ensemble. Enfin, on fera ensemble. Ruche, ça s'est mis, alors on y est. Et j'ai pu voir l'ultime de la rabatteuse, c'est complètement pété. C'est une référence à Pokémon Go et à ses événements publics mondiaux. Du coup, on va en profiter pour essayer de le choper et de le réutiliser. Faut voir que faut se dire aussi que j'ai utilisé plus ou moins 3 fois la même strat. Hein. Donc c'est pas extrêmement intéressant à regarder, mais bon. Crac. Ah, et aussi j'ai tombé un artefact sur eux. Que j'ai pas équipé d'ailleurs, malheureusement. Ok, donc toujours pareil. Voilà. Ouais, vas-y, fais-le. Non, toi par contre, tu n'y auras pas droit. Ouais, vas-y, fais ce que tu crois. Ce que tu crois être. Alors, oui, par contre, elle a une portée. Mais alors de malade mental. Je vais me mettre là, vous allez voir, vous allez comprendre. Hop. Je pourrais par exemple affaiblir celui-là. Ce serait... Ouais non, parce qu'il va attaquer sur l'autre. Je vais attaquer... Une question de placement, je vais attaquer... Si je vais attaquer celui-là, je vais affaiblir celui-là. Hop. Voilà. Donc là, ça va poser le truc sans défense, voilà, le debuff sans défense. Complètement et pété en termes de quantité de dégâts faits sur l'ennemi. Voilà. Alors, mets ton truc. Ah oui, alors en plus de ça, on va le faire, c'est pas grave. Comme je l'avais dit, voilà, les multiples coups de Cartman détruisent les boucliers. Enfin, détruisent les boucliers. Ils détruisent les boucliers. Donc non, c'est bon. C'est du français. Donc c'est bien ça, en fait. Parce qu'en fait, le bouclier n'encaisse qu'un certain nombre de coups. Et comme Cartman tape plusieurs fois... Là, on va se prendre masse dégâts, là. Ça veut dire que j'aurais pu prendre deux fois plus de soins. Oh. Ok, je vais pouvoir tester une nouvelle compétence. Gagne blocage et rage. Bon, non, d'accord. Ok, ouais, non, pas intéressant pour moi. J'aurais bien aimé aller faire du corps à corps. Malheureusement, je ne suis pas à portée pour ça. Mais quand même, on va utiliser ça sur toi. Et je pense que le sans défense... Oh, joyeux Noël, Warrior Entité. D'accord, ok. Je sais pas si c'est une référence, mais... Hop, là. Allez, bouffe. What? Donc il a pas le sans défense, lui, malheureusement. Bon, c'est pas grave. Trop de talent. Hop, là. Allez, bouffe. J'aurais dû attaquer deux fois, mais bon, c'est pas extrêmement important. Je crois qu'il y a personne cette ligne. Non, c'est bien ça. C'est le plaisir de courir. Allez, fais ce qui te semble juste. Voilà, c'est parti. L'ultime de la rabatteuse.
Opération F-17. Shin Pokémon Go. Et voilà, il y a un event Pokémon dans le coin. Enfin, Shin Pokémon, on va dire. Pour rester dans le thème. Du coup, tout le monde vient et ensuite... Ouh, je peux... Alors ça, c'est cool, je peux healer sur toute une ligne. Je pensais que c'était une portée, mais c'est vraiment sur toute une ligne. Donc c'est cool. On commence... Chaque fois, je crois qu'il dit Getting Windy. On commence à avoir une équipe potable. J'ai fait le dernier, je voulais aller trop vite. Et comme vous pouvez le voir, le fait qu'il soit complètement affaibli, c'est complètement pété en termes de dégâts causés. Voilà, 170. J'en fais que 110 normalement, hein, environ. C'est complètement pété. Hop là, cool. Cool. Et donc voilà, on va maîtriser. Et je pense qu'il va se passer un truc. Non? Même pas? Bon bah tout ça pour rien alors. Bon bah on va aller voir un petit peu le l'artefact que j'ai trouvé. 95, 80. Bonjour. Ok bon bah je sais pas c'était lequel. Nécropince, non, glyphe inferno. Œil de fraudeur, c'est ça que j'avais trouvé. D'accord, bon bah il est pas très puissant. Est-ce que je peux peut-être l'augmenter en termes de niveau? Je vois pas d'œil de fraudeur. Donc j'imagine que c'est pas pour tout de suite. Faudra qu'on passe le niveau supérieur. Ok. Bon bah la suite alors. Vu que j'ai pas accès à cet endroit. On est à un niveau supérieur à 500. On va quand même aller aider le moustique. Il est au raisin de mémoire. Le raisin c'est à droite. Je crois. Oui c'est moi. Ah oui c'est vrai, je suis pas copain avec les gens maintenant, je suis plus copain avec les gens. Artisanal Strippers, Locally Sourced Girls. J'avais oublié ce détail. Où est le raisin? Découvrir. Ça veut dire que je peux l'avoir en combattant? Ah, oui, un instant! Bah... What? Ah non, pardon, je me suis trompé de pouvoir. Excusez-moi, autant pour moi. Ah, je peux pas les frapper. Quel dommage. Ah bah si, j'ai pu. Voilà, bon, on va prendre ça comme ça, c'est pas grave, c'est déjà ça. Bah les sixièmes. Vendu, pas de soucis. Hop. Tu m'as déjà vu louper quelque chose? C'est insulte. Voilà pourquoi j'allais pas miser sur des dégâts choc. Oh. Wouah, qu'est-ce que tu viens de dire? Pouf. Allez, t'es KO. Ça t'apprendra à ouvrir ta bouche. Tu sais quoi? On va aller s'amuser un petit peu sur leur tronche. Salut! Ah! Voilà! J'en ai... Ah! Je peux pas les buter pendant leur... D'accord. Ce n'est pas grave. Hop. Non, ça c'est dégueulasse. Arrête, c'est dégueulasse. Ah ok. Il est temps d'achever certains adversaires qui pourraient devenir gênants à l'avenir. Voilà. Adieu. Et que le scoopier sur le net. What? Hors de portée. Oh, c'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. Vous savez quoi? Non, je peux pas le finir. On y va.
Je commence à l'avoir, hein. Oui, bien sûr. Par contre, j'en connais un qui risque de frapper son pote, hein. Brutal! Violent! Ah! Ah, c'est tellement une référence, ça, quand ils se mettent tous à pisser. GRB, pardon. What? Ok, j'ai pas eu la chance de me défendre. Donc, non, ce sera pour Marcus, là, pour le coup. J'ai pris cher, moi. Vache, 300 de dégâts d'un coup, ça fait mal. Cuillerée de morve, génial. Risque biologique 40. M'étonne pas. Qu'est-ce qu'on a là? Tenue turbo esprit, bracelet turbo esprit, électrode turbo esprit. D'accord. What? Pourquoi il y a eu un chargement? Qu'est-ce que ce bordel? Oh. Peut-être pour ça. Cool. Emplacement mineur, génial. Bon bah c'est pas épique, hein. Bah on va mettre un truc intéressant. Récupération d'ultime plus 38%, mais c'est pété. Combo de repoussement. Alors j'aurais bien aimé avoir plutôt des dégâts d'altération d'effet d'état. Mais vous voyez que j'en ai pas beaucoup finalement des choses qui en donnent. Là j'en ai un à 60, ce qui est assez ridicule. Ou alors c'est parce que c'est justement trop pété. On va récupérer de l'ultime, hein, c'est pas grave. Hein. Moi, ça me dérange pas de gagner plus rapidement mon ultime. Hein, au contraire, c'est plus stylé encore dans les combats. Ok, cool. Bon, bah, mettre des costumes. Oh la vache, encore un niveau à 40. Bonjour. Donc, on est au raisin. Oui, je suis là. New kid, the vile creatures inside here have stolen my dad's credit card. You must help me rescue it. You know I am no match for their evil powers of seduction. I can't go in there alone. Will you help? Then come on, you go first. You go first. Ok, j'y vais. C'est parti! Hi, welcome to Raisin's Hen. Just want to be today. That's the kid! That's the kid who beat up Porsche and Mercedes! That's right! This kid is here to take back my father's credit card, you buxom thieves! You gave us your dad's credit card when you wanted time in the wrestling pit with us. Dans la fosse des combats? What? Then why did you say, hang on, I'll be right back with my dad's credit card, he won't even know it's gone. No more head games. Give me trouble. There's trouble. Here, girls. Oh, there's about to be. Raisin's girls, unite! Ok. Bah les filles du raisin, une bonne fois pour toutes. Et j'ai oublié d'être avec ces trois mecs là. Ok. Vendu. You know, all the other customers are such losers, but you seem totally cool. Wow, really? Absolutely. Non. Have you guys met my main squeeze? Don't you dare lay a hand on her. That didn't take long. Non. Order up, kitty. Non. Faut que je les abatte au plus vite. Ça y est, je vais en avoir au moins 1000 dans un sale état. Quoi? What? Mais fais pas ça! Y'a les mecs qui regardent d'ailleurs. Il y a le gros qui m'inquiète. Et le fait qu'il y ait un groupe derrière me dit que même quand j'aurai fini avec celle-ci, il va m'arriver une couille. Hop là. Blah. J'ai pas beaucoup de PV. Hein. C'était pas une bonne idée. Hein. Oh, comment tu viens d'achever ta pote? Ouais, je crois que j'aurai besoin de soigner mon pote. Hop là. Donc on va le protéger un petit peu. Block. Si je connais le moustique pour rompre le charme, il va probablement mourir. Hop là, pouf.
Look, dude, you're lucky I even showed up. Blablabla. Good to go, and so is my bug jar. Allez, bouffe. Raté. Dommage. En tout cas, il s'est healé au passage. J'avais oublié qu'il faisait ça, lui. Okay, girls. Let's F these A-holes in their B-holes. Il en reste encore une derrière. After we beat you guys up, do you want to buy a raging calendar? Non. Non, il a résisté. Non, il a pas résisté. Ouais, t'as raison. T'as raison. On va pas s'emmerder. On va pas s'emmerder. On y va. On frappe. On boit. Depuis le temps. Allez, on va quand même soigner. Ah, je suis pas à portée. Ah, si, je suis à portée pour certaines choses. D'accord, bon bah, je suis pas à portée pour tout alors. Écoute, fuck you. Mais non, je suis protégé par un bouclier. Allez. On en finit. Voilà. Donc elles brûlent et elles sont brûlées. Enfin, elles brûlent et elles sont choquées. Elles brûlent et elles sont brûlées. Ça va plus, Marc. Hop. Là. Ah, maintenant, ce qui serait... J'allais dire ce qui serait cool, ce serait que je me chope des PV, mais... Ça va être plus compliqué que prévu. Vas-y, mange. Seulement 100. Ah la vache. Et j'en entends en grosso modo que 35, donc. Allez. On le soigne. J'avais oublié que c'était ça. Oh, allez! Putain, il est vraiment super inutile, quoi. T'inquiète. C'est pas faux. C'est pas complètement faux. Oh, il va y avoir Mercedes. Enfin, non, l'autre, la grosse, là. Ouais, je sais pas comment elle s'appelait. Ah! Peut-être le mettre là alors. Ouais. Allez, bouffe. Nice work. Now excuse me while I go throw up. Hey guys, are we having fun yet? Non, mais arrête. Pourquoi t'es toujours du côté de l'ennemi? C'est quoi? Fuck it. Tu payes maintenant. Un petit peu de soin pour tout le monde, ça fera du bien. Tac. Oui, il est temps que je le mette dans la bonne disposition pour... Ah bah attendez. Ah non, je vais dire dans la bonne disposition pour combattre. Mais je peux pas. Non, me tue pas d'un seul coup. Il va pas utiliser... Ah non, je crois qu'il a utilisé son ultime. Putain, la vache. T'es vraiment une saloperie, moustique. Tiens, bouffe. Qu'est-ce que je fais? Allez, on bute la dernière. Hop là. Je me suis collé à l'autre, hein, donc c'est pas une bonne chose que j'ai fait. Hein. Mais bon. Au moins, j'ai battu l'autre. Blah, c'est dégueulasse. Ok, here we go. You guys drag me into this and I'm always the one having to save your butt. Mais normal, t'as pas de portée, du coup t'es extrêmement compliqué à utiliser en combat. J'aimerais tellement qu'elle frappe le... Oh. Ah, je peux peut-être faire un truc. You don't look so hot, new kid.
savez quoi, fuck it. Fuck. Seulement 40 PV, voilà, 100 PV. Hop, on va manger deux fois, on va se remettre full life. Ah non, ça, ça m'emmerde pour... On va la choquer, tant pis. J'ai toujours pas récupéré mon pouvoir, c'est ça qui m'emmerde en fait. Est-ce que je peux envoyer une protection sur quelqu'un? Non, j'imagine que non. Tant pis, je mange. Je suis désolé, Kyle, tu vas prendre cher malheureusement. Oh si je peux! Oh le bol, le sauvetage de Kyle! Le sauvetage de Kyle. Ah merde, je me suis planté de... Je sens que je vais mourir. Non, c'est bon. C'est pas faux. Sorry, not interested. The wind brings it with justice. Humankind is here. Alors là, je vais aller faire un gros coup de soin sur ces deux-là. Voilà. Et ensuite, on va tenter quelque chose. On va tenter une protection. Ah, c'est dégueulasse, dit comme ça. Et il y survit. Cool. Voilà donc l'utilité de Super Craig dans ce combat. Alors, tu brûles. Ensuite, voilà. Pourquoi fallait que ce soit lui qui la termine? Allez, c'est parti. Hop là. Oh, les bons. Bon, bah voilà, les filles. On vous a eu. Tenue de raisin, fil perso du moustique. D'accord. Bon, bah voilà, on a gagné un costume. Génial. Ouais, je sais. Je sais, je sais. Bon. C'est pas trop mal passé. Oh, you need to buy a pass before I would dream of selfieing with you, sweetie. Yo. Yeah, I only take selfies with assassin superheroes. It's my thing. Nécromètre de gluten à 40 motherfucking dollars. Les passes sont à 5 dollars pièce. Ils étaient trop chers ou ils étaient... J'ai déjà acheté, cool. Donc. Attends. Voilà. Ouais, j'ai payé pour ça. Malheureusement. Voilà. Non mais c'est à elle que je posais la question. Laisse-moi rentrer. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai un truc à faire en plus par là? Non. Donc il m'en manque une, on est d'accord. You're gay for selfies. Je m'écarte. Ah, je l'avais déjà. Ah. Herbome ancien. Attends. Est-ce que ce serait pas uniquement le costume? Ce serait bien uniquement le costume. On reviendra sur ça plus tard. Ok, du coup, on a aidé le moustique, donc on va cesser les amis pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yo!